Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Adam's Venture Origin live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Professeur Saint-Omer, pourquoi menez-vous vos recherches dans cette ville? Loz et son église présentent un intérêt tout particulier aux yeux de la société qui finance mes recherches. Je ne suis pas autorisé à en parler. Oh, alors, pas même notre contribution à cette révolution scientifique? Le progrès scientifique a du bon. Sous le plan gustatif, et mes recherches sont au moins mortes. Au point mort de toute manière. Très bien. Allumez le projecteur. Je vous dirai ce que je sais pas. Vous avez une lumière, mais je sais même pas comment. Yes. Je connais, mais ça... C'est rendu jusque... Ça dure juste comme 2h30. J'ai fait une heure jusqu'à date, là, mais... Oh! Là, je comprends pas le principe. J'appuie juste n'importe quoi dessus. Ouf. Jacques, mon travail est de pris en charge par une puissante organisation nommée Corporation Clairvaux. Je vois là les années que cette société a acquis les mémoires de Charles Leroux, un chevalier qui a accompagné Richard Cœur de Lion lors de la Troisième Croisade. Les écrits historiques peuvent que Charles s'est arrêté ici, à Luz, en prétendant avoir découvert le secret de la Genèse. Mais quand bien même ce secret existerait, il l'a emporté dans sa tombe, tombe sous laquelle je suis parvenu à mettre la main. Excusez-moi de poser la question, mais où avez-vous cherché? Puisque Charles faisait partie, j'ai pensé qu'il reposait dans l'église des Templiers les plus proches, mais je vous ai amené, suivez-moi.
quite a storm. C'est une tempête. C'est ainsi que ma théorie est tombée sur Charles, reposait sur les dates et les pierres tombales. Prenez d'abord la date de naissance sur celle-ci. Vous ajoutez la date de décès de celle-ci et le divisez le tout par le nombre et enfin prendre le 3 et obtenir un nombre significatif. Gardez en tête maintenant, ajoutez 42 à la longueur du nom de cette personne. Qu'est-ce que tu cantes, tabarnak? Ainsi, ma théorie se tombe sur Charles reposé sur les dates et les pierres tombales. Prenez d'abord la date de naissance ici. Je suis pas osé faire. Peut-être moins clair. Trouver un passage dans l'église. It's locked. Non, mais bon. I should look around a bit more. Ah bon. Un, deux, trois, quatre, cinq. Celle-ci. Allez,
1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Should look around a bit more. Un, deux, trois, quatre, une. On va essayer ça. Une, quatre, deux, trois, quatre. Une, quatre, deux, trois, quatre. Une, quatre, deux, trois, quatre. On va essayer ça. Une, quatre, deux, trois, quatre. I should look around a bit more. Une, quatre, deux, trois, quatre. Une, quatre, deux, trois, quatre. Pourquoi ça marche pas? Non, ça marche. Je suis incroyable. Je suis incroyable. Intéressant. I need fire. Besoin de feu. Feu là. Non, on a besoin les boys.
Hey, Tabawé, Silent Star, you're still alive. La source des quatre rivières de livres de la Genèse, l'emplacement du paradis, la corporation Clairvaux va envoyer une expédition immédiatement. Tenez un œil là-dessus, Dieu éternel dit, l'homme est devenu l'homme comme un de nous, avec des connaissances de bien et du mal. Empêchant-le maintenant d'avancer dans sa main, d'en prendre l'arbre de la vie, manger et de vivre éternellement, il doit être un avertissement. Avertissement, non, cette découverte est bien trop lucrative, je veux dire trop important pour être négligé. Je suis d'accord. Nous étions probablement censés trouver ce parchemin de plus. Je n'ai jamais vu le danger. J'ai promis à veiller sur toi. La porte du jardin d'Éden. C'est plutôt plus serré ici. Good, Dylan. Je commence à avoir soif. Ça devient intéressant. Yeah, everything's good. Les provisions des corporations de Clairvaux. Attention au danger, les cours de wagonnets sont décorcelés aux âmes sensibles. Utilisez votre grappin comme il faut. Esquivez. X. De poignée pour ouvrir la porte. Wow, cette porte sont immense. Je n'ose imaginer la taille des paillassons qu'il faudrait. Salut Adam, as-tu apporté le reste de nos provisions? Evelyn, j'ai amené mes casquettes et cette torche. Qu'est-ce qu'il nous faut? Et les caisses de nourriture, l'arrière en avion? La nourriture, je pensais que c'était la trousse de maquillage. L'avion devait partir à cause d'une grosse tempête de ça. Ne t'inquiète pas, le pilote a promis de revenir dès que possible. Et on mange quoi ici, là? On a la caisse de pommes, mais la dernière fois qu'une femme a mangé une pomme par ici, les choses ont mal tourné, tu te souviens? Maintenant, prends cette radio et va voir le professeur, il a besoin de ton aide. Parle au professeur. Go and see the professor. He needs your help with something. Où est le petit professeur? Ça doit être ici. Comme ça, Adam, te voilà. J'ai étudié les mécanismes d'ouverture des portes et je crois qu'il manque certaines parties essentielles. On ne peut pas juste le faire sauter. Imbécile, as-tu le moyen de la valeur de ces portes? Pour la science, je veux dire, il doit y avoir un autre moyen d'entrer. On dirait que ces rochers cachent une sorte de tunnel. Moi, que la science ne m'en empêche, je vais chercher des explosifs. Did
Did you get the dynamite at the supply tent and base camp? Non. Et voilà. A strange device in front of a huge. Attends, je pose CF pied d'immense, porte d'immense, porte fermée. Non, je vois pas le rapport. Je le vois, moi. Non, je vois rien. Mais du temps, dépêche-toi à faire sauter le rocher. Ouais. Wow. Wow. Trouvez comment descendre. Qu'est-ce que c'est? This is incredible. Incroyable. In the name of the All Seeing Eye. Oh, Dieu, le Tout-Puissant, dépêche-toi. OK. Peut-être pas ça. Peut-être ça. Adam, tu m'entends, toi? 5 sur 5, j'ai juste glissé, mais rien de cassé à part la fierté. As-tu trouvé le jardin? On peut te suivre. Ne crois pas à moi qu'il y ait un balançoire à l'âme au paradis. Je vais jeter un œil pour voir où mène ce tunnel. Sois prudent, lapin crétin.
trouver une caverne clé, une grande aventure, mais aussi une énorme douleur au dos. Ouais, surtout quand t'as l'âge à Gwen, c'est pas évident. Elle est vieille, vieille, vieille. T'es-tu toi ou c'est une rediff? Sinon, salut Chummy, salut tout petit! Comment ça va, mon ami? Bien, qu'est-ce qui se passe-t-il? J'ai un peu d'escalade, mais les chauves-souris, rien n'inquiète. Toujours là, c'est quoi ce bruit, Evelyne? Je n'ai rien entendu. Appelle-moi dès que tu as trouvé quelque chose, ok? Pas de soucis, merci. Comment tu vas, toi? Ça va tranquille, merci. On parle de plusieurs mois ou années. J'ai l'impression qu'elle a trouvé quelque chose. J'ai attendu. Interférence radio, rien d'inquiétant. T'es censé être un héros, tu te souviens? Enfin, voilà le professeur. J'ai traduit quelques inscriptions et j'ai des mauvaises nouvelles. La grotte où tu es furent conçue pour empêcher l'humanité de retourner au Jardin d'Éden. Un bond géant pour une humanité, c'est un petit pas pour Adam futur. Le danger tremble. Ouais. On entend mon nom, je suis... Ah oui, on a compris. Tu joues à quoi maintenant, tout petit? J'avais pas vu ça tantôt. Adam, the professor's found something. Ouais, non, le... Are you listening? Ah, sure, I heard that hissing sound again. Now I heard it too. Probably radio static. Nothing to worry about. That sounds frightful.
You're supposed to be the hero, remember? Anyway, here's the professor. I have translated some of the inscriptions, and I have some bad news. The caves you're in were designed to keep mankind from ever returning to Eden. The giant leap for mankind is only a small step for adventure. Danger trembles when it hears my name. I am... Yes, 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 we get the point. Just get on with it. Je sais pas pourquoi le cabo avec Clairvaux, certes ils payent pour tout ça, mais quand même. C'était tout pour l'aventure du jeu. Adventure Origin live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!